Comme on se retrouve les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais tourner une vidéo parce qu'il fait bon dehors. Il fait bon, je voulais faire un 24 heures avec moi, genre un petit vlog tranquille, genre toute la journée. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous donner une petite énigme à résoudre. C'est un petit concept que j'ai trouvé. À chaque début de vidéo, j'ai envie de vous donner une énigme pour que vous la résoudez. Je connais même pas les mots. Pour que vous la trouviez avant la fin de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai la réponse. Et du coup, pour cette première énigme, les gars, l'énigme c'est... J'ai fait 3 fois le tour du Canada, j'habite au milieu de l'Italie, et sans moi, Paris n'est rien. Qui suis-je? Et vous aurez la réponse en fin de vidéo. Et voilà quoi, je voulais tourner une vidéo aujourd'hui parce qu'il fait bon. Je vais même tenter de faire un moment dans la vidéo là où sur mon lieu de travail. Pour ceux qui ne savent pas, je suis livreur de pizza. Du coup, je pourrais pas filmer dans la pizzeria, mais je pourrais vous filmer quand je suis en livraison. Donc on verra bien ce qui se passe dans la vidéo. Je vais trouver des trucs à filmer, je vais trouver des trucs à faire. Ça va être cool. Et on se dit dans la prochaine scène. Hein. Je vais déménager les gars. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cartons là, ici là et là. Les gars, je déménage du côté de l'île du coup dans ma région natale. Après 10 ans je reviens. Et parce que de base là j'habite du côté de Toulouse. Du coup, nickel, moi je suis trop content, je retourne là où je suis né. J'attends là depuis. Dans une vidéo, je dis que pour le mois de juin, le 21 juin, j'avais prévu quelque chose. Du coup, dommage, ça n'aura pas lieu. Mais il y aura... En fait, j'avais prévu 2 choses. Donc il y aura une des 2 choses qui aura lieu, mais la deuxième n'aura pas lieu du tout. De base, je devais partir 3 jours à Perpignan. Voilà, je vous le dis maintenant. Je devais partir 3 jours à Perpignan et faire 3 vlogs là-bas. Et en gros, je mettais de l'argent à cette côté pour pouvoir faire des activités là-bas. Pour faire du contenu. C'est tombé à l'eau depuis qu'on veut retourner dans le nord. Mais c'est pas grave, il y aura des prochaines vacances où je pourrais prévoir ça. Mais du coup, ce projet-là, il tombe à l'eau. Mais voilà, je voulais vous en parler. Plus ou moins, c'est dit. Je suis en direct du taf. Je vais vous faire montrer la vue qu'on a. Regardez-moi ça. Mais cette vue, après, je l'aurai plus quand je serai dans le nord. Du coup, j'en profite en scooter. Oula, j'ai failli me toller en vidéo, les gars. Du coup, voilà. En scooter électrique. Bon, je vais arrêter de filmer parce que c'est un peu dangereux. J'ai failli tomber 2 fois, mais... J'en profite en scooter. À une main, c'est impossible. J'ai failli tomber 2 fois. Mais voilà, je voulais vous faire une petite séquence en scooter de livraison. Bien, c'est vu. Vue de fou furieux. Oui. C'est calé ici. On avait une vue de fou quand même. On avait une vue de fou. Comme ça en même temps, ça me permet de garder des souvenirs d'ici tout en allant dans le nord. Putain, mais du coup, quand on sera dans le nord, j'ai l'impression l'objectif il est. Quand on sera dans le nord, je visiterai ma région en vous faisant visiter en vous du coup. Bon les gars, écoutez-moi, je viens d'avoir une série de fous furieux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis une streameuse sur Twitch qui s'appelle Ailibou. Je crois que c'est une streameuse de 23 ans. Et en gros, pour vous expliquer, en fait la dernière fois j'étais sur un de ses lives et je sais pas, je voulais tester un truc. Je lui ai dit en gros que j'avais fait un son pour elle. Alors que pas du tout. Et du coup je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, j'ai vraiment envie de faire un son. Et du coup voilà, je suis en train d'écrire. J'ai trop envie qu'elle écoute mon son en live. Ah ça serait... Du coup alors c'est qui tout double. Soit je deviens un mème et tout le monde se fout de ma gueule. Ou soit elle kiffe et du coup c'est drôle quand même. Ah mais j'ai trop envie. Tu sais quoi, je mets sa chaîne dans la description. Mais bon bref, voilà. J'ai eu cette idée dans la tête la dernière fois et du coup je me suis dit, c'est quoi, j'ai envie de le faire pour de vrai. On va voir ça, j'ai trop envie, putain, j'ai trop... Allez, faut que je me mette au boulot, faut que j'enregistre, faut que j'écris et que j'enregistre. Oui, bonsoir. Alors du coup, il y avait une pizza et un coca, c'est ça? Et ça fait 18,40 et je dois 1,60€. Et voilà. Je pense le ticket de test, la commande. Hop, la pizza et le coca. Et derrière, bon appétit, bonne soirée. Vous voulez des sauces piquantes? D'accord. Au revoir. Oui. Bonne soirée, bon appétit. Et voilà.
première livraison avec succès. Hop. Bon, vous avez dû rien comprendre du tout. Hop là. Bref, que je m'explique. Je suis passé de la scène où je parle du son à une scène où je livre une pizza. J'ai pas fait d'entre-deux. Genre, c'est passé du coq à l'âne. Je sais pas pourquoi. J'ai pas fait d'entre-deux. Mais bon, c'est pas grave. On revient pour le son. Là, je vais écrire un peu. Je vais essayer d'écrire le son. Dans les jours qui viennent, je vais essayer d'enregistrer et lui envoyer. Essayer de lui faire écouter ce son. Bon, les gars, enfin, après un bon moment très long d'écriture, j'ai enfin terminé. Il me reste 2-3 rimes à faire. Mon premier couplet, il me manque juste le deuxième. Genre, dès qu'elle est en live, la prochaine fois, ben je lui montre en fait. Je lui ferai écouter mon son. En vrai, genre, je fais le mec, mais tout, mais en vrai, ça me met la pression, en vrai. Bon, bref. Moi, je vais vous laisser là, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez, avant de quitter la vidéo, les gars, je vous donne la réponse à l'énigme que je vous ai donnée en début de vidéo. Et du coup, l'énigme, je vous la répète, j'ai fait 3 fois le tour du Canada, je vis au milieu de l'Italie, et à ce moment, Paris n'est rien. Je vous donne 5 secondes, allez. Et du coup, c'était la lettre A. La lettre A. Parce que j'ai fait 3 fois le tour du Canada, il y a 3 fois la lettre A. J'habite au milieu de l'Italie, parce qu'au milieu, il y a la lettre A. Et sans moi, Paris n'est rien. Est-ce que ça vous plaît que je vous fasse des énigmes comme ça à chaque début de vidéo, que je vous dis la réponse à la fin? Bon, allez, je vous laisse pour de vrai cette fois-ci. Allez, ciao.